Visiblement heureuse de commémorer la troisième édition de la grande fête du préscolaire en République démocratique du Congo, ces éducatrices par essence jouent un rôle inouï dans l'apprentissage de l'enfant. Honorées, elles ont dit leur satisfaction. Je suis vraiment très contente. Pour moi, c'est une façon de promouvoir cette éducation et celle-là qui ne considère pas puisse au moins rejoindre et avoir une grande importance sur cette affaire. La fête s'est bien passée par rapport à l'année passée. Nous n'avons pas un pôle préscolaire. Que le gouvernement organise un pôle préscolaire dans nos provinces éducationnelles. Et pour renchérir ces mots de satisfaction, le président de l'Organisation pour l'éducation préscolaire en RDC, Michel Otto, plaide pour la revalorisation de la petite enfance. Le thème de l'édition le dit, préscolaire, une affaire de tous, un droit pour chaque enfant. L'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en RDC, avec toutes ses filiales, s'est réjouie de constater que la question du jeune enfant est prise au sérieux par le gouvernement de la RDC. Je réitère ma demande formulée à l'endroit de la très distinguée Première Dame, construisez pour nous du préscolaire, la maison du préscolaire en RDC. Pas autre chose, seulement la maison du préscolaire en RDC. Marqué par la remise des certificats aux finalistes de l'éducation préscolaire en RDC, le théâtre et des danses, cette rencontre festive a été close dans une ambiance bon enfant.